Bon, eh bien, bonjour tout le monde, c'est Raoul Chombier au micro, alias Grovilateur, pour tenter une petite arène. Ça fait longtemps. Là, je suis sur le compte US. Et on va donc regarder une arène. Alors, j'ai la quête chaman démoniste. Ouais, c'est pas dit que ce soit ce que j'ai envie de jouer en arène. Quoique, en même temps, moi, les mages, ça me gonfle un peu, et les druides, je suis nul. Donc, les deux classes paraît-il pétées, je ne les ai pas. Allez hop, achat effectué, youhou! Choisissez un héros, chasseur, voleur, chaman. On va dire chasseur. Que la traque commence! Ouais. Bon, alors, pop, hop, pop. Oh, on va la jouer super aggro pour le golem arcanique. J'ai dit que j'allais la jouer super aggro. Vorgun, bouclier divin. Allez, Vorgun. Seigneur de l'arène, c'est de la merde. Chasse-marée, murloc, bof, pistage. Ça, je sais pas. Ça, je sais pas pourquoi, ça m'embête de me défausser deux cartes. Ouais. On va prendre un petit drop à la con. Drop 2. Alors, piège givrant, ancien maître brasseur, docteur vaudou, c'est de la merde. Ancien maître brasseur, c'est une 5-4. Ça peut faire le taf avec le golem arcanique, un truc comme ça. Quoi qu'un petit piège. Quand un serviteur adverse attaque, le renvoie en sa main. Allez, piège vivant. Ah putain, le golem des moissons, c'est bien. Le prophète du cercle d'arrêt, c'est bien. L'ordre de tuer, c'est très bien. En même temps, est-ce que j'aurai des bêtes? Est-ce que j'aurai des bêtes? Oh, j'aime trop le golem. La hyène, d'accord, mais bon. Moi j'aime bien le rampant. Pas de sort pour l'instant. Hein. Ah, si. Bon, l'ogre est bien. Mais le compagnon animal, c'est quand même pas mal. Bon, ouais, on est quand même assez early pour l'instant. Alors, patriarche. Ou la hyène. Il faut que ce soit une bête alliée en plus, hein. Donc je suis pas sûr d'avoir tant de bêtes que ça. Moi, le petit patrouilleur, ça fait toujours du bien. Loup des bois, c'est pas mal. Ah, c'est vos autres bêtes. Comme bête, pour l'instant, j'ai je reprends un deuxième rampant. Allez, soyons fous. Le vongleur de couteau. L'assassin est pas mal, hein, mais c'est trop light pour moi. On va prendre le joueur. Tire des arcanes, c'est pas mal quand même pour un. Ça calme. Encore la hyène. Hein. Ouais, il faudrait peut-être que je prenne quand même des drops. Fusiller, bof. Mage de Dalaran, super bof. Un petit lâcher les chiens. Hein. Ça ne fait pas de mal. Encore un piège givrant. Un genre de vis, ça fait que ça peut piocher, mais c'est une 1-1 quand même. Hein. C'est pas. L'archimage, je vois pas trop l'intérêt. Un deuxième piège. Je suis à combien? 14 cartes. D'accord. Brissor. Ah, c'est bien ça, Brissor. Quoique ça c'est une bait. Mais je préfère l'autre, je préfère le croco. La 2-3. Un brisseur c'est quand même pas mal. Tire meurtrier, acolyte de la souffrance. Un serviteur aléatoire, ouais. Ça peut être bien si le mec me sort un gros truc et qu'il n'y a que ça sur la table, mais. Petit acolyte, allez. Alors là, on a du rare. L'oracle, non. L'aventurier en pleine quête. Puis voilà, de toute façon, le voyant froid de lumière, c'est naze. Puisque j'aurais pas d'autres murlocs. Donc,
On va quand même prendre l'aventurier en pleine quête, c'est parce que je... Ah, encore du rare. Out 1, la durabilité de l'arme de votre adversaire, c'est formidable. Ouais, il y avait plein de murlocs, remarque. Mais l'arc est bien, surtout qu'en plus j'ai deux secrets. Ça va être pas mal. Et mais là, peut-être que le mousse peut être sympa. Ouais. Bah ouais, parce que j'ai quand même... En plus, c'est 2-3, de toute façon, pas mal. Contrôleur mental, ouais. En arène, un 4. Muscule incatrice, mais là, la grande crinière, il n'y a pas photo. Encore un rampant. Le nain, très bon drop 4. On va parler comme les pros. Le nain, qui est un très bon drop 4. Il vous donne assez souvent du card advantage. Ouais. Loup alpha. Pas mal. J'ai beaucoup de drop 2. J'ai beaucoup de drop 3. Lui, j'aime bien son côté charge. Puis 2-5, c'est pas mal, mais... Ou alors, je reprends un 1. Quoique, le loup alpha, après, quand on fait du trade... Allez, on va prendre le loup. Peut-être un peu piocher, mais bon. 4, 2 pour 4. Non. Petit bouclier divin, c'est pas mal. On va pas reprendre un piège givrant, les mecs. Pas non plus déconner. Le tigre, je l'aime bien. Le brise-sort, un deuxième silence. Moi, je prends le tigre. J'ai pas beaucoup de gros drops. Ah, hop là. Piège explosif, ça j'aime bien. Loup des bois, c'est pas mal. Croisé écarlate, c'est pas mal. Mais le piège explosif, je l'aime bien, moi. Alors. Mage de Dalaran, on s'en fout. J'ai pas de dégâts directs. Lame nuit. Ouais, au pire, mais bon. Bah, c'est aggro, comme on dit, quoi. Aggro. On va peut-être prendre quand même cette fois-ci le Raptor. Il me reste 4 cartes à prendre. Je prenne du lourd là quand même. Buzard pourrait comboter avec le lâcher les chiens. Alors, l'archimage, dégâts sort plus 1, on s'en fout. Jeune faucon dragon, on s'en fout. Flèche multiple. Il me reste 2, bon. Horde de tri ou Yeti. Pas beaucoup de drop 4. Le Yeti est une valeur sûre. Et un violet. Vos autres pirates, j'en ai qu'un de pirate, hein, donc laisse tomber. Vos autres murlocs, non, tous les autres murlocs, j'en ai pas, donc, enfin, s'il n'y a pas les petits murlocs de base à la gomme. Le chasseur de gibier, pas mal ça. Hein, si jamais le mec me sort un truc de ouf. Allez, on est parti. Je sais pas du tout ce que vaut ce deck, je sais pas s'il est bien équilibré ou pas. On va voir. Café, petite clope et let's go. Rexar contre Jaina. Vous l'avez cherché. Que la traque commence. C'est pas mal tout ça. J'ai envie de tout garder. Quoique, non, c'est peut-être pas le drop 2 que j'aurais envie d'avoir. Ouais, pas mieux. Quoique, en drop 2, il y a toujours le pouvoir. Hein. Pas de virement. De Virme. Merci. D'accord, ça va être du late aussi. Oh purée, moi aussi je suis late.
Alors, est-ce que je tente un tour 3? Un secret. Alors, on va lancer un truc qui nous gêne pas trop. En tour 3, on va mettre lui. Douleur, suce-moi tes mots à l'oreille. C'était pas ça. Je sais pas ce que ça peut être comme secret. Ah, j'aurais dû mettre le piège ivre ancien. Je suis bête. Qu'est-ce que je peux faire? Faire ça et puis le finir avec ça, c'est un peu cher. On n'a pas beaucoup de choix. Faites-moi mal. Allez, on va déclencher le secret. Point d'armure, c'est pas très grave. J'ai un bon drop 5. Passez derrière moi. J'ai un bon drop 5. Ouais, c'est ce que j'ai de mieux à faire. Et on va. Quoique si j'attaque, après il se met à porter. Pas mal. Faites ça me fera piocher. Pas trop mal. On peut me finir avec son pouvoir. Ouais. Moi qui ai un chip. Je me demande. Faut que je mette cette saloperie de secret quand même. Mets-moi un deuxième drop, tiens, que je te fasse le flèche multiple, hein. Ce serait bien ça. Un truc avec 3 points de vie. Que faire? Et t'attaques quoi? Ah, ce serait bien ça. Ça y est. Que faire? On est parti sur un. Ah, le chip, bah oui, bien sûr. Je sais pas pourquoi il hésite, le mec. Je ne sais pas pourquoi il hésite. Bon. Là, je ne peux pas jouer. Je peux peut-être jouer le secret. Et puis lui. L'une d'argent ne tombera pas. Ce qui est pas trop mal. Joue-moi un gros truc. Oh, pas mal ça. Ouais, mais quoi que. Ouais, mais il va coûter 2 de plus. Je suis pas sûr s'il peut peut-être le jouer. Oh. Aïe. Ah, pas mal ça. Ouais, il a bien joué. Bon, qu'est-ce que j'ai moi? Je peux lui cliner son truc ou pas? Même pas. Hein. Aventurier en pleine quête, piège givrant. Ah, je peux peut-être faire ça. Et donnez-moi une quête. Ensuite, je joue 2 cartes. Le buzzard, il va se faire pinguer. Lui. Enfin, il m'aura permis de piocher une fois. Si je joue la hyène.
Et j'ai oublié de mettre le secret. Donc je suis un gros connard. Je suis un gros connard. Ah, c'est pas vrai ça. Le but c'était qu'il essaye de m'attaquer mais que ça retourne dans sa main. Bon mais écoute. C'était la hyène qu'il fallait pas mettre. Enfin bon. Pire s'il me tue mon buzard, elle va gagner. Quoi? Plus un, plus. Ah plus deux, plus un. Sachant que normalement j'aurais pas tardé à commencer à me prendre des boules de feu dans la tronche. Voir des trucs qui clean toute la table, là, je sais plus quoi là. Ah, j'aime pas du tout mage. Allez mec, vas-y, joue un peu là. Je me demande. Tu te demandes, ouais, mais. Quoique, remarque, le piège sera peut-être mieux pour une plus grosse. Ouais. D'accord. Eh, de bonnes cartes. Échec de la quête. Et encore, il a qu'une carte sur table, ce qui me saoule. Bon, là, je vais pouvoir même lui renvoyer son truc à la con. Donc si je fais 2-2, pas mal. Piège givrant. Jongleur de couteau. Et mettez cette pomme sur votre tête. Et patriarche. On va faire piocher une carte. Merci. Oh bah c'est pas mal ça. Enfin quoi que. Et j'attaque le héros adverse. Ouais. Et fin du tour. Bon. De toute façon, il va attaquer avec son truc. Ouais, ça c'était assez logique. Ce serait bien qu'il laisse quand même deux créatures sortir à un moment quand même. Des gros trucs pour finir. Pas trop. Ah voilà. Hop là, reviens dans ta main, banane. Pas sauf si c'était le mien, mais il peut le rejouer, Marc. Direct. Quoique il peut peut-être jouer autre chose. Il hésite, hein. Il se dit si je le joue lui, ça peut. Il va regarder l'abomination. D'accord. Ce qui m'arrange pas du tout vu ce que j'ai. Ce qui ne m'arrange pas du tout. Parce qu'elle fait combien? 2 points, c'est ça? Ouais. Donc je vais perdre mon. Je perds tout en fait. Donc autant y aller à la zob comme ça quoi. Autant y aller à la zob comme hey, ça. Attrapez ça! Voilà. Quand même deux, hein. Et on va faire ça et l'arme, c'est pas mal ça. Bon, ça se prend une boule de feu, mais c'est toujours ça que j'aurais pas sur ma tronche. Et ça invoque deux hyènes. Allez, mets-moi deux petites cartes à la fin. Un secret, d'accord. Une panthère camouflage, superbe. Allons bon, ah oui pour finir après. C'est pas idiot. C'est pas idiot, c'est pas idiot. Donc ben moi je vais. Bah je vais y aller. Hein. Alors, est-ce que je commence par ça? Ok, d'accord. Ah oui, ça va carrément. Mais c'est pas grave parce que ça rip-up. Enfin, c'est pas grave. C'est embêtant quand même, mais bon. Ah, mais quand un secret révélé, pas mal ça.
J'ai déjà attaqué. J'ai déjà attaqué, d'accord. On va arrêter là. Oh, est-ce que ça peut quand même le faire sur un truc gros? Oh, ce serait bien. Mets-moi une autre carte là. Tu vas pas attaquer avec, tu vas attaquer mon héros avec ça. 10, il peut me faire. Ouais, avec son truc. Bon. Allez, mets-moi une autre. Voilà, ça c'est bien. Voilà. C'est bien, en même temps je vais tout perdre. Hein. Ça me saoule. J'ai pas mon silence. Hein. Ça me saoule. En même temps, est-ce que j'ai le choix? Ouais, je peux trade. Je peux trade et je remets un golem. Je me demande. Ouais, parce que si je fais flèche multiple, je perds tout. Et je lui tue même pas son truc. Ah si, alors attends. Flèche multiple, ça peut peut-être gagner un... Ouais, mais non, parce que je suis obligé d'attaquer le... lui d'abord pour je passer. Demande. Donc j'ai pas le choix. Bah écoute, on va la faire à l'arrache, comme ça. Je dois attaquer le serviteur avec oui. Provocation. Je ne peux pas... Ouais, remarque, ça a tout détruit. Maintenant, chasse au gros gibier, est-ce qu'il aura un truc? Ouais, il peut avoir un gros truc, on sait jamais. Hein. Donc on fait ça. Voilà. Je sais pas trop ce que ça a donné. Il y a encore beaucoup de cartes, hein, le salopio. Il en repioche. Quoi vous regardez? Oh là là. S'il le booste pas. Bon. Donc là, j'ai pas de taunt. S'il avait mis un défenseur d'Argus, j'aurais adoré. Bon, on va déjà faire ça. Maintenant, est-ce que je peux me débarrasser du truc mûche qui fait 6 là? Ah ouais, ben ça va me coûter. De toute façon, les dégâts, je me les prends. Bah ouais, j'ai pas trop le choix. C'est-à-dire de l'attaquer, d'envoyer mon truc dessus, putain. Je chasse. La boule de feu, je suis mort, donc on va dire que je suis mort. Quoique s'il hésite, c'est qu'il a peut-être pas de boule de feu. En même temps, avec son pouvoir, je suis vite mort aussi. Hein. Passez derrière moi. Lâchez les chiens, magnifique. De toute façon, c'est peut-être ce que j'ai de mieux à faire quand même. Hein. Parce que ça me permet de cleaner à peu près ça. C'est le seul moyen que j'ai de cleaner celle-là. Je me demande. Puis je vais peut-être jouer le. De toute façon, j'ai pas beaucoup mieux. Alors, on va se débarrasser de ça. De ça. De ça. Tant pis, on va faire ça. Il me reste la pièce que j'aurais toujours pas joué. De toute façon, là, pouvoir, éclair de givre, une cornée comme ça, je suis dead, donc... Douze cartes. Oh, j'ai un peu plus pioché que lui. Je me demande... Allez, vas-y, mec. Ah, Yeti, superbe. Nous avons de nombreux secrets. Ah.
Alors là, à part si j'ai... Non, perdu. Hop là. Bien combattu. Bon, 0-1. Je pense que c'est parti pour du 0-3. On continue. Allez, on n'a pas peur. Rexar contre Anduin. Prêtre en arène. La lumière nous apportera la victoire. Que la traque commence. Le mousse, j'ai qu'une seule arme, je vais peut-être le garder. Parce que je suis pas sûr de l'avoir en combo avec l'arme. Donc... Pas trop mal, j'ai un drop de chaque. À vous de jouer. Hop là. Bon, c'est un début qui est peut-être meilleur que tout à l'heure. Allez, mets-moi ton clair du machin, truc mûche à la con, toi. Quoique, pièce... Non, il n'y a rien. Pour deux, on va faire ça. Allez, hop. L'emplacement est marqué d'un X. Ça fera toujours une créature. Oh, rien. Rien. Mais moi, ça va être le moment de mettre mon... Lequel, le golem ou le Vorgen? Le Vorgen. Ça peut attirer un... Je suis là, la con, là, je sais plus comment ça s'appelle. Tazingo. Ouais. C'est un Tazingo. Un Tazingo. Qu'est-ce qu'on peut faire du Tazingo? Parce qu'alors lui, si je lui donne plus 2, je tue le Tazingo, mais je perds le bénéfice du Fury des Vents. En même temps, est-ce que je peux le jouer autrement? Non, puis ça me laisse un... Vous appelez ça une arme? Pas mal, ça me fait une 4-4 et une 2-3 sur table. La 4-4 ne pouvant pas être détruite par les mots de pouvoir. Das Dingo. Ouais. Ah bah le golem arcanique, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Olambris sort. Ah, si j'allais me débarrasser de cet Tazingo, c'est pas mal du tout. Golem arcanique. Voilà, le mousse, et je lui mets 4 dans sa bouille, plus 2. Terminé. C'est pas mal ça. Alors que tu te soignes, mon petit pote. Pour l'instant, tout ce que tu mets, je le clean. Parce que je suis un ouf. Mets-moi deux petites merdes que je te fasse mon truc, j'aimerais bien m'en servir bien là. Le retournement de situation. Mettez cette pomme sur votre... Voilà, et je vous vois un autre truc. Voilà, oh, ça c'est excellent. T'as pas de quoi le soigner en plus. Alors ça mon pote, c'est génial. Merci. Ça c'est génial. Je mets ça. J'ai pas de bête alliée. Ça fait une créature, non. C'est fait. Là, là, c'était le méga coup. Le méga coup. Pour le Norfondre. Bon. Évidemment, il y a ça. Pas topissime. C'est pas topissime. Travail terminé.
Allez, mets-moi un gros ton, et là je serai content. Passez-moi cette clé plate. Il va aller à l'agro, je pense. Il va pas sacrifier son commandant sur... sur mon loup. Ah, ou alors il clean. Je dois réfléchir. Hein. Bah oui, ah, silence. Faut pas chercher longue défense. Je m'en doutais. Alors ça, le piège explosif, il va être ultra worth it. Il va être ultra worth it. On va déjà mettre le piège explosif. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Ensuite, est-ce qu'on met... Oui, on va mettre ici là. Sous le brise-sort, je vois pas trop l'intérêt. Et là, qu'est-ce qui serait bien? Qu'est-ce qui serait bien? Oh non, je vais tout mettre le héros. Ah, il va pouvoir le descendre gentiment, on va pouvoir le finir au pouvoir, de toute façon au pire. Là, il va cliner, je pense. Et en clinant, après quand il mettra un petit coup son... Je me demande... Ça c'est pas mal, ça va pouvoir mourir après. Tu peux. Ça sera plus qu'un point de vie. Tous adversaires, même lui, il morfle. C'est bon. Voilà, très bien. C'est bien, voilà. Tout le monde est mort. Donc maintenant, tu attaques... Et attaque maintenant mon héros. Pour Nasjatar. Ah, Crado. Alors ça c'est Crado ça. Ça c'est bien Crado. Joli coup. Ça j'avais pas pensé à celle-là. J'avais pas pensé à celle-là. Donc on va déjà mettre ça. Ça va déjà calmer un peu. Ah bah c'est terminé. Ah oui, elle est pas si gagnée que ça là. D'accord, d'accord, bah, à mon avis, elle est même quasiment loose là. À moins que je sorte un truc de ouf, mais. Ah, ça peut-être. Ah. Je clean ou je vais où? Je vais l'obliger à. Alors, est-ce que je mets autre chose? Allez, on va dire que rien. Ça va l'obliger à nettoyer. S'il veut, il va être obligé de tout perdre. À moins qu'il ait le sort qui fait des dégâts à toute la table. Je peux commencer deux d'ailleurs en plus. Et qui soigne les alliés en même temps, ce serait effectivement. Les portes sont ouvertes. J'ai un brise-sort. Ouf. Et là, est-ce qu'il m'attaque moi? S'il m'attaque moi, c'est bon. Non. Double épaulier, serviteur. D'accord. Se soigne. Bon, bah là, je vois pas ce que je peux avoir qui me ferait gagner.
vois pas. Bon, bah voilà. Ah bah voilà. Bien sûr. Ok, ok. Bon bah on va faire 0-3 comme prévu. La vidéo sera courte, c'est bien. Contre Valyra. Soyez sur vos pas. Que la traque commence. Quoi que jongleur de couteau et lâcher des chiens, ça peut être rigolo. S'il a beaucoup de choses. Ouais, mais enfin, faut pouvoir le jouer. Hop là. Bon. Givrant là parce qu'il va me jouer un truc là, je le sens bien. Prochain tour, compagnon animal pour la croisade. C'est pas ça? Ah, quand il attaque, d'accord. Quand il attaque le héros. Ah non, attaque tout court. Alors là, on met quoi? Je pourrais faire jongleur. Jongleur mousse avec la pièce. Ce serait pas idiot. Le compagnon animal. On va faire jongleur mousse, pas mal ça. Et mettez cette pomme sur votre tête. L'emplacement est marqué d'un X. Travail terminé. Là il se dit ouais super, c'est pas tombé sur moi. Sauf que ça coûte combien cette bête là? 3, il pourra même pas la rejouer. c'est dur. D'accord. Compagnon animal ou garde lune machin là. Compagnon animal, tant qu'à rien. Voilà. Et puis c'est tout. Pour la croisade. Ça me gêne pas. Ah, il en a gros hein. Et là. On fait quoi? Je serais assez tenté d'aller full aggro, moi. Ça va pas mal, ça va pas trop mal. On peut me nettoyer un truc, mais c'est pas grave. Parce qu'il va... Avez-vous besoin d'une bénédiction? Ouais, c'est bien ça. Et voilà, ça c'est super. Ah, faut pas que ça tombe sur lui. Shot of the beak, c'est quoi, aléatoire? Bon, j'en tue au moins un des deux. C'est déjà ça. Et j'ai pas le silence. Ouais, bon. 6. Flèche multiple, de toute façon,
C'est ce qu'il faut. Et je vire sa merde. Et je fais 2 points de dégâts. Je vire avec malheureusement celui-là. Travail terminé. La petite mousse là, elle est bien là. J'ai un personnage, pas de problème. Pas de problème, mon pote. Pas de problème. Alors. De toute façon, faut que j'y mette 2 points à chaque tour là. Donc je fais quoi? Ça. Et donnez-moi une quête! Et puis ça. Ah oui, merde, j'ai pas fait. Ah bah, il est terminé. Non, j'ai merdé là, j'ai raté 1 point. Je vais pouvoir cleaner un petit peu, mais il pourra peut-être pas tout. Et mettez cette pomme sur votre tête! Ah putain, jongleur. Vous appelez ça une arme? Il va aller au kill peut-être, de la quête. Bon, alors là je pense que je suis mort. Je pense que je suis mort parce que ça, ça fera quoi? Je peux déjà faire ça. Ensuite, tu peux mettre celui-là. Lune d'argent ne tombera pas. Qu'est-ce qui peut me tuer ou pas? Non, parce qu'il va en perdre pas mal quand même. Ouais. Et je fais juste ça. Quoique je pourrais le finir, remarque. Non, ça sert à rien. On va voir. Nous devons purifier le puits de soleil. Ça, il va survivre, ce con. Ah ouais, ils survivent tous, ça me saoule, ça. Il va clean ou pas? Non, voilà, ça se passe pas mal. Bon, y a que le clair qui survit pas. Il a pas de doute. Plein. Bien, je joue pas souvent chasseur, je suis que de niveau 12. Ah tiens, j'ai une nouvelle quête. Ça se tourne si ça arrive les quêtes? Allons bon. 5 matchs avec un druide ou un voleur, je peux encore. Une victoire. Allez, on y croit. On y croit, on y croit. Ah, les mecs, ils sortent du lourd en face, quand même, purée. Rexar contre Rexar. Que la traque commence. Je vous traquerai. J'ai des petits drops, normalement. Mais bon, tout ça me plaît bien. Allez, on va rester comme ça pour voir. Je parle des petits drops. Travail terminé. J'aime pas du tout cette carte.
Allez, fin du tour. Oh putain, les mecs. Ça y est, on est tombé sur un putain de connard qui joue la montre. Ah, je déteste ça. Bon, pour deux, on va faire notre. Mettez cette pomme sur votre tête. Ça fait toujours une carte. Du silence, c'est pas très grave. Sauf que moi, je mets cette fois-ci. Quoique si je mets l'arc. Je lui vire sa truc et je garde mon machin parce que sinon il va trade. Ou alors je mets le Worgen. Non, je vais mettre l'arc. Je démarre. Je chasse seul. Allez. Deux petites cartes, flèches multiples, paf paf. Paf paf! Mais d'ailleurs, faut peut-être pas que j'en mette deux, moi, parce que. Sinon, je peux me les prendre aussi. Compagnon animal. Le 2-4, qui est pas forcément le meilleur. Mais dans ce cas-là, moi, j'ai un bon combo, qui est le nain œuf sombre fer. Qui est bien. Qui est bien. Vous appelez ça une arme? Pas lui laisser son tour. Et on va aller aux dégâts. Ah oui, tiens. Mais là, mon pote, tu peux pas me le finir. À moins que... Avez-vous besoin d'une bénédiction ? Piège explosif sera très bien. Le piège explosif sera très. Quoi, flèche multiple. Il va me trade aussi. C'est fait. 4 de dégâts. Ouais, pas mal. Bon, compagnon.
Pas dégueulasse. Ah, ça va encore lui booster sa saloperie. Ou est-ce que je fais un lâcher les chiens pour être sûr de le finir? Sachant que je ne le finis pas en fait. Où je mets le Vorgen. Le lâcher les chiens, il fera quoi? Il fera rien. Il fera rien. Donc on va tout mettre le Vorgen. Puis c'est tout et j'ai plus de cartes. Je pense qu'il va attaquer mon héros, hein. Flèche multiple, super. 7. Oh là là. Bah, faut quand même que t'attaques, vieux, parce que tu vas perdre ta hyène, c'est un peu con ça. On va faire lâcher les chiens, remarque. Ça a lâché les chiens un peu débiles, mais bon. Eh, bon, je suis en top deck hein, maintenant. Bouzard. Mais bon, c'est pas grave. Alors, quand un serviteur adverse est attaqué. Ah non, attaque, quel qu'il soit. Je serais lui, je jouerais le. Oh là là. Oh là là là. Oh là là. Capituler gentiment. Je vais pas attaquer celui-là. Mais bon. Ah, un autre secret. Superbe. Superbe. Bon, bah lui, ça sert à rien. Et bon, on va capituler. Hop. Ben voilà. 1-3. C'est à peu près mon record. Ah non, j'ai dû faire 2-3 une fois, je crois. Et ben voilà, c'était une belle victoire d'arène. Pour 1, je dois avoir gagné 15 gold. Allez, imaginons que le booster soit mirobolantissime. Ce serait rigolo. Pour une arène pourrie. Ouais, non, que dalle. Bon, bah voilà. Et ben, fin de la vidéo. C'était nul. À bientôt, tout le monde. Bye bye.